de se pencher sur les lois nationales et moins sur l'action sociale du conseil départemental. S'ennuie-t-elle à Paris ? A-t-elle envie de jouer un rôle durant les prochaines élections municipales ? Serait-elle tentée par une candidature ? Quelle est aujourd'hui sa posture politique alors que son mouvement, l'UDI, passe des alliances avec le parti présidentiel ? Est-elle en phase avec la politique d'Emmanuel Macron, y compris Outre-mer ? Où en est-elle ? Où en est-on des soupçons qui pèsent sur sa gestion dans plusieurs affaires ? Nassima Dindar, sénatrice, conseillère départementale, est l'invitée de Lundi Politique sur La Première. Jusqu'à 13h, vos questions à partir de 12h45 au 02 62 99 2000. Nassima Dindar, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de cette actualité politique, il y a dans l'actualité du jour cette visite du pape dans l'océan Indien. Il est aujourd'hui à Maurice, après être passé par Madagascar et Mozambique. C'est un moment de ferveur important, très, très, très important pour les catholiques. On a le sentiment que ça va au-delà, que c'est un événement important pour la région. Vous le ressentez comme ça ? Oui, c'est un événement important, majeur, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que même pour un département français, la République est laïque, j'ai souvent l'occasion de le dire, République laïque, mais la France est multiconfessionnelle et les religions sont très prégnantes à La Réunion, à l'île Maurice, à Madagascar, donc c'est un moment de ferveur. Et puis en même temps, une vision à travers la foi des problématiques qui touchent des populations, des hommes et des femmes dans leur vie. Et je crois que c'est important d'écouter aussi le message du pape. J'ai une petite pensée pour tous les Réunionnais qui ont fait le voyage pour aller rencontrer le pape. Mais alors justement, le pape François est finalement porteur d'un discours assez politique sur l'écologie, sur l'égalité. Est-ce qu'il peut avoir du poids ? Est-ce qu'il peut faire bouger les choses ? Le pape rappelle des valeurs humaines de solidarité que prône la République. Et la République elle-même reprend des valeurs universelles qui donnent aux hommes les facilités pour vivre entre eux et pour créer du collectif tout en pensant à soi. Mais si on ne finit que par penser à soi, on peut rater effectivement la vraie solidarité. On a le sentiment qu'en se permettant un discours sur l'égalité sociale, sur l'écologie, il montre finalement aussi un peu en creux ce que les politiques ne font pas. Il montre en creux les difficultés qu'ont aujourd'hui les politiques à mettre en œuvre, j'ai envie de dire, les bases de la vie en commun. Et il le dit parce qu'aujourd'hui, les frontières et les fractures sont réelles, même auprès de nous, et donc les solidarités se délitent forcément. Et quand ces fractures interviennent, et ben justement, je crois qu'il est temps que les politiques, comme toute autorité, l'autorité politique, l'autorité religieuse, toute autorité scientifique rappelle la nécessité justement de garder le lien et de mettre en place des vraies solidarités qui dépassent simplement parfois le simple territoire de la France, mais qui aillent aussi au-delà de nos propres frontières, qu'il s'agisse de solidarité européenne ou de solidarité internationale. Nassima Dindar, est-ce que vous avez envie de participer aux élections municipales de mars prochain ? Je suis dionysienne et j'ai toujours été présente à Saint-Denis, puisque j'étais élue en 2001. Je suis restée depuis 2001 conseillère départementale du premier canton, donc je suis impliquée dans les politiques publiques qui touchent bien évidemment ma ville. J'ai été sur la liste de René-Paul Victoria lors des dernières municipales, et puis je rappelle également que j'ai été deux fois candidate aux élections législatives. Donc, ça c'est pour le passé, mais avec la même continuité, oui, bien sûr que les élections municipales m'intéressent. Je serai présente aujourd'hui, j'accompagne Ibrahim Dindar qui est candidat officiel pour briguer justement ces prochaines échéances municipales. Aujourd'hui, c'est le candidat, demain, ça pourrait être vous ? Pour dire vraiment les choses, je suis derrière lui, j'assiste à toutes les réunions, et c'est vrai que lors de ces rencontres, nous sommes tous les deux sollicités, ceux qui disent ben, « pourquoi pas Nassima, nous on préférerait, etc. » Et si vraiment... J'ai presque envie de dire s'il y a, je ne sais pas, on entend les gens, mais s'il y a un engouement
que nous voulons faire vérifier. Brahim Dindar est un homme très pragmatique. Il a dit, je fais un sondage, j'en ai fait un avant, où le nom de Nassima Dindar n'apparaissait pas, parce qu'elle n'était pas candidate. Et si le nouveau sondage montre qu'il y a un engouement pour ma candidature, oui, je serai tête de liste avec Brahim Dindar. Est-ce que c'est une façon de simplement de préparer cette tête de liste? Vous avez déjà décidé que vous iriez? Non, c'est de franchement, je suis très franche avec vous. Parce qu'on fait dire un peu ce qu'on veut au sondage, à l'appel de la population. Oui. Tous les candidats disent oui, j'ai entendu l'appel de mes concitoyens, etc. Est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas? Non, je suis très franche avec vous. Je n'étais pas candidate en tête de liste pour les municipales. Sincèrement, je le dis à tous les auditeurs. Jusqu'à quand vous n'étiez pas? Jusqu'au moment où, effectivement, depuis. Brahim Dindar est en campagne depuis 6 mois. Et ça fait 3 mois où régulièrement je l'accompagne, je fais des réunions de cellules, et où les uns et les autres disent ben, il y a peut-être plus de chances d'eux, etc. Donc il y a cette volonté. Et puis il y a la volonté également, aujourd'hui, par le parti, je suis présidente de l'UDI, de se dire que on aimerait bien avoir également une tête de liste, une candidate, et vous avez bien vu qu'il y a aussi un rapprochement sur des projets de territoire. La réflexion, on a posé la petite graine, et donc on attend vraiment et de manière très sincère des résultats de ce sondage. Pour autant, sondages ne font pas des élections. Je veux vraiment le rappeler. Mais ça peut suffire à décider. Mais j'en suis bien consciente. Ça sera une décision partagée avec Brahim Dindar, moi-même et les colistiers. Et en même temps avec le Parti National, le représentant de l'UDI. Ce sondage, il sera fait comment et quand? Il est en train d'être fait. Il a demandé à des sondeurs très connus sur la place, ceux-là même qui avaient fait le premier il y a 6 mois, d'en refaire un. Donc on aura le résultat quand? Je pense que d'ici un mois ou quelques semaines, puisque le sondage est en train d'être effectué. Vous dites que l'UDI pourrait vouloir avoir un candidat ou une candidate à Saint-Denis. On va avoir un paysage un peu compliqué. On ne sait pas encore qui va être candidat, mais il y a probablement un Gilbert Annette qui va vouloir y retourner. On sait qu'il est Macron-compatible. Il pourrait y avoir un Didier Robert, ça se dit, qui est lui aussi très Macron-compatible. Vous êtes vous aussi très Macron-compatible. Comment est-ce que vous allez vous différencier? Il faut être Saint-Denis-compatible et Réunion-compatible avant tout. Nous avons un président de la République, Emmanuel Macron, qui est en marche et qui a dit de manière très claire, après la crise des Gilets jaunes, je demande aux territoires, à tous les territoires, qu'ils soient des départements ruraux ou urbains, de définir un projet pour leur territoire. Et ça n'est pas, et je crois, ça n'est pas en nous divisant, en se disant les uns nous allons aller contre les autres, que nous allons mettre en place pour les 20 prochaines années un projet de territoire. C'est ce qui me semble le plus important. C'est le projet pour Saint-Denis, qui est une ville qui compte dans la Réunion, et c'est un projet qui devra englober la vision globale sur les développements futurs de la Réunion, de mon pays que j'aime, dans la République que j'aime. Concrètement, et pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs, ça veut dire avec qui? Ça veut dire quelles alliances possibles? Toutes les alliances sont possibles, puisque les alliances vont porter sur le projet. Nous travaillons déjà... Oui, d'accord. Non, mais sans langue de bois, sans langue de bois. Moi, je travaille déjà avec des parlementaires, Huguette Bello, Erika Barège, Monsieur Ratenon, notre député qui fait un excellent travail à Saint-Pierre, à Saint-Pierre avec notre député Lorion, David Lorion, Viviane Mallet au Sénat, Michel Denmont au Sénat, mais aussi Jean-Louis Lagourgue. Nous travaillons sur un projet de territoire. Ce qui gâche la politique, c'est un problème d'ego. Si nous sommes divisés, et c'est souvent le cas à droite, c'est parce que j'en suis aucunement responsable. Ce sont les égos de mecs, excusez-moi, les égos d'hommes qui font que les gens sont divisés. En l'occurrence, Michel Fontanet et Didier Robert. Et donc aujourd'hui,
je trouve que les femmes ont beaucoup moins d'ego. Et pour cela, elles font la politique différemment. Est-ce que c'est aux parlementaires de définir un projet de territoire ? Est-ce que ce n'est pas le rôle de la région ? C'est aussi le rôle des collectivités, régions et départements. Et le président Cyril Melchior, qui est à la tête du département aujourd'hui, travaille également. Nous avons des échanges très fructueux sur ce projet. Donc c'est en accord avec... je travaille beaucoup moins avec Didier Robert, hein, donc je ne travaille pas du tout avec lui, mais je travaille beaucoup avec le président du département. Ça veut dire que politiquement, votre adversaire aujourd'hui, c'est Didier Robert ? Je n'ai pas d'adversaire en politique. Moi, je fais de la politique, pas contre... Je fais la politique pour... Oui, mais il y a un moment où il y a une élection, il y a des gens qui sont d'un côté, de l'autre. Voilà, il y a des adversités qui s'imposent. Si vous refaites la petite histoire, vous verrez que je n'ai aucun problème avec le président de région. C'est peut-être lui qui en a via un organe de presse largement subventionné et donc qui en a trouvé avec moi. Donc, sincèrement, je redis les choses très clairement. Je pense qu'aujourd'hui... C'est l'ego des hommes. Vous voyez, on a traité les alliés des dernières régionales de dinosaures. Est-ce que vous m'avez déjà entendu une seule fois dire que Didier Robert était un carnivore ? Non. Vous venez de le dire. Est-ce que, finalement, pour que les gens voient clair, si, admettons que vous participiez à cette élection municipale à Saint-Denis au mois de mars prochain, et qu'au deuxième tour, on ait un Gilbert Annette contre Didier Robert, quelle sera votre position, vous, de manière du très centre claire, droit, vous irez plutôt avec la gauche de manière très claire, c'est sur la base du projet dionysien. Et sur, dans le cadre d'un projet plus global de territoire, je le répète, je travaille sur ce projet, il me tient à cœur. Et c'est comme cela, dans le respect également donc des compositions de liste. Je vais vous dire de manière très franche, je l'ai dit aux colistiers que je rencontre, aux gens... Ibrahim Dindar demain est tête de liste. Si au deuxième tour, il y a des alliances ou des choses qui ne nous plaisent pas, ben, moi, je décalerai. Je veux travailler vraiment pour que Saint-Denis et les Dionysiens puissent gagner en cohérence sur des sujets... Qui me tiennent à cœur. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des personnes âgées. J'aimerais vraiment qu'il y ait des maisons d'accueil familiales à Saint-Denis pour accueillir différemment ces personnes. J'aimerais qu'on puisse créer des conditions pour l'emploi. J'aimerais vraiment qu'en matière d'embellissement, Saint-Denis change, que Saint-Denis devienne plus joli. Je voudrais vraiment qu'on puisse travailler sur des vrais sujets et non plus sur des batailles. J'ai toujours dit, et on me l'a reproché, je peux travailler autant avec la gauche qu'avec la droite. Je l'ai prouvé au département. On m'a traité de girouette. Aujourd'hui, le président Macron dit je ne suis ni à droite ni à gauche. Je suis avec. Il faut être avec sa population. Il dit précisément je suis de droite et de gauche. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a de meilleur dans les deux idéologies. On peut être de droite et être socialement, pas seulement compatible, mais porter des valeurs sociales et de solidarité dans son programme et dans l'idée qu'on a sur la force des propositions d'un groupe centriste. Et c'est bien cela que l'UDI défend aujourd'hui. Est-ce que l'UDI va réfléchir avec La République En Marche, avec d'autres partis centristes, à avoir une stratégie globale pour La Réunion, des candidatures concertées ? Il faut dépasser véritablement, je le crois et je le dis au niveau de l'UDI, la réflexion politique ou les alliances sur les partis. Je n'y crois absolument plus. Les partis sont des coques qui sont en train de disparaître, des leviers. Il y aura de toutes les façons, très rapidement, c'est déjà le cas, une nouvelle façon de faire. Les Gilets jaunes nous l'ont montré. Et je crois vraiment que demain, et dès ces prochaines municipales, nous parlerons moins des partis politiques que des listes
Oui, mais en même temps, en même temps, il va bien falloir les constituer, ces listes, il va falloir réfléchir. Et les appareils politiques sont pour l'instant bien présents, et encore très présents. Est-ce que vous allez vous entendre avec d'autres représentants du grand mouvement du centre, avec les gens du LPA, avec les gens du Parti radical de Olivier Rivière? Est-ce que c'est quoi les alliances, elles vont être où, même si vous n'aimez pas parler de cette cuisine politique? Non, il faut constituer des équipes à partir de compétences. Ça vaut pour les municipales. Ça le vaudra aux prochaines cantonales et ça le vaudra également pour les prochaines régionales. Je crois véritablement qu'aujourd'hui, nous devons constituer des forces avec des gens de la société civile qui ont des choses à apporter au-delà des listes composées de gens choisis au niveau des partis. Souvent, on se retrouve avec 4 ou 5 personnes au sein d'une équipe qui travaille et 30 autres qui suivent. Donc, je suis persuadée qu'il faut pour la Réunion, qu'il faut pour la France, passer à une autre étape, celle du travail ensemble. Donc, vous dites droite et gauche, pour le bien commun. Droite et gauche, ça n'a plus de sens. Non, ça n'a plus de sens. Totalement, ça n'a plus de sens. Comment est-ce que l'électeur fait pour savoir quelles lignes politiques, quelles valeurs seront défendues par les gens pour qui il va voter ? L'électeur, il est bien plus intelligent qu'on ne le pense, en tous les cas, bien plus intelligent que ceux qui représentent les partis. L'électeur sait qu'on a besoin de développement économique sur son territoire. Oui, mais tout le monde est d'accord. Voilà, et de développement et de solidarité sociale. L'électeur sait que quand on est sur une île, la circularité est obligatoire. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je dis. On est monté au créneau, nous avons tous les parlementaires signé un courrier en disant, faisons attention, Vindémia, Rachette, Bernard Ayotte, qui est un homme très intelligent, intéressant. Et donc, on se dit, nous sommes des lanceurs d'alerte. Mais attention à ce qu'on dit et à ce qu'on veut faire croire. C'est-à-dire que quand on dit cela... Oui, je sais qu'on reparlera, si vous voulez bien, du rachat de Vindémia par le groupe Bernard Ayotte. Mais je voudrais qu'on reste sur cette idée de finalement, quand on vote, oui. Alors, il y a un programme, il y a des personnalités, mais il y a aussi globalement une ligne politique, des valeurs qui sont ancrées dans les partis politiques. C'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à récemment. Et vous le dites, les Gilets jaunes ont peut-être bouleversé la donne. L'abstention aussi bouleverse la donne. Est-ce que ça veut dire que demain, on va voter pour une personnalité, on va voter pour un programme qui sera appliqué ou pas, parce que voilà, les choses étant ce qu'elles sont, entre ce qu'il y a dans la campagne et puis ce qui advient pendant un mandat, il y a un monde hein, parfois. Comment est-ce qu'on sait pour qui on va voter si ce n'est pas sur une ligne de valeur ? L'électeur ne croit absolument plus en nous, en toute la classe politique. Il vote souvent en termes de confiance pour un homme. Mais cet homme constitue, un homme ou une femme, qui constitue une équipe. La responsabilité est donc grande aujourd'hui, et elle va au-delà des partis. La responsabilité est de choisir des hommes et des femmes compétents, appartenant ou pas à des partis, voire même à des partis différents ou à des idéologies différentes, parce que le premier vecteur, c'est celui de la confiance. Ensuite, l'électeur dit, moi, j'ai besoin qu'on agisse pour moi. Et il dit, que ça ou ça, il fait pour moi. Il vote pour, que ce soit même pour moi, ou soudain, moi. Donc souvent, il est dans un débat, quand on dans une réunion de cellule, d'échange. Même il vient travailler, mon enfant ne travaille pas, ma besoin est case, etc. Il vient avec ses problèmes. C'est à l'homme politique de dire, je ne pourrais pas te donner, là, dans la campagne municipale, quoi que ce soit, un travail, etc. Ce n'est pas un échange. Mais le candidat, il entend bien les problèmes qu'ont les gens. Et donc, il y va y avoir, et je le souhaite, sur ces prochaines municipales, des listes ouvertes, transpartisanes. Je dis bien transpartisanes, c'est ce que je souhaite, parce qu'il n'y a pas deux idéologies pour la Réunion. Il y en a une seule. Transpartisane, mais vous n'allez pas nous dire avec qui. Mais avec tout le monde, avec
toutes les bonnes volontés, mais sincèrement, je vais vous dire, je suis compatible avec tout le monde. D'accord. Ça part d'une Huguette Bello, on vient de faire les violences faites aux femmes, et ben nous partageons totalement à 120% donc les mêmes idées. Donc ça part de Huguette Bello à gauche jusqu'à à n'importe qui à droite jusqu'au Rassemblement National. Le Rassemblement National a aussi des représentants qui ont des idées à défendre. Il ne faut vous pas... pourriez faire une liste avec les gens du Rassemblement National. Ben, le Rassemblement National est présent. Je vais vous dire, celui qui a été élu sur la dernière et qui représente les DOM, qui travaille sur les DOM au niveau du Rassemblement National, est un ami. Est un ami, puisque je l'ai connu sous la présidence de Jacques Chirac, et il était au RPR à l'époque. Et donc, à l'époque, moi, je l'ai rencontré. Est-ce que parce qu'il est devenu député Rassemblement National, je vais lui dire que je ne te fréquente plus, quand tu viens à La Réunion, je ne te vois plus, etc. Non, c'est un ami, il reste mon ami. Nassima Dindar, est-ce que votre carrière politique pourrait être freinée par ce qu'on appelle communément les affaires, c'est-à-dire les soupçons, les enquêtes, les procès, le volet juridique de votre parcours ? Si je le pensais et si tel était le cas, je ne serais pas aujourd'hui devant vous et je ne me dirais pas que je reviens dans l'implication locale en apportant ma pierre. Je crois quelles sont les affaires aujourd'hui qui sont encore en cours ? Alors, je vous pose au fond la question parce que il y a eu une enquête sur... j'aurais embauché des gens chez moi qui n'étaient pas payés, qui étaient embauchés au SDIS. J'ai été entendue, tout le monde a été entendu, et depuis je n'ai plus de nouvelles, donc j'attends. Donc je sais que moi, les salariés qui travaillaient chez moi à titre personnel ont toujours été déclarés en chèque emploi-service. Deuxième affaire, on a dit, à grande page de journaux, d'un journal local, que j'avais acheté ma maison à un homme d'affaires à qui j'avais vendu en tant que présidente du département des terrains pour négocier un prix pour cette maison. Nous venons de pousser le journal en diffamation, même si la diffamation, et nous avons apporté la preuve qu'en 14 ans de mandat, je n'ai jamais vendu un terrain à la SPAG, puisqu'il s'agit de la SPAG. Ensuite, on a dit, j'ai même utilisé des entreprises qui éventuellement n'avaient pas été payées parce qu'ils auraient eu des marchés, etc. Pareil, ça fait 2 ans. Ces journaux ont été envoyés au PNF, le Parquet National Financier, et j'attends. D'accord, vous craignez que ça revienne dans le jeu pendant la campagne, que ça puisse vous gêner ? Pendant 2 ans, on m'a beaucoup sali. J'ai déjà été sali. Pour autant, je pense avoir gardé la confiance, même si ça pèse quand vous allez à la rencontre des gens. Ça pèse. Mais je n'ai pas d'affaires. J'attends en tant que citoyen, contribuable, justiciable, avec beaucoup de sérénité, que la justice tranche. Et je fais confiance à la justice de mon pays, beaucoup plus que je ne fais confiance à un journal d'un homme d'affaires qui lui-même a eu beaucoup de connivence avec une collectivité. La Chambre régionale des comptes avait été très sévère à propos de la gestion du SDIS à l'époque où vous en étiez la présidente. Elle a également épinglé la gestion de l'antenne parisienne du département, problème de gestion personnelle, problème de gestion tout court. Est-ce que vous dites aujourd'hui non, ça va, tout va bien, j'ai bien fait le travail, ou est-ce que vous dites là, peut-être en tant que présidente du département, j'ai pas été assez vigilante ou j'ai fait une erreur? On n'est jamais parfait, mais je réfute totalement les rapports qui ont été faits sur le glaive avec 2 rapports de Chambre régionale des comptes qui, au final... Le glaive, c'est encore une autre affaire. Voilà, une autre affaire. Non, mais je veux le dire. On est venu 2 fois sur le glaive, alors que je ne suis ni présidente du glaive et que le département n'était que financeur du glaive. Et on a beaucoup cité mon nom, même dans la presse. On a fait un rapport sur la Chambre régionale des comptes sur le SDIS, où on laisse apparaître... n'a jamais eu de malversation. Le SDIS a toujours été un problème, mais pas seulement à La Réunion, dans beaucoup de territoires. Le SDIS est co-géré
entre l'État et le département qui en est le financeur. Et donc, pareil, le rapport dit quoi ? Moi, je vais vous dire, j'attends après les élections. Ces rapports seront distribués à la population. Je le ferai... Ils sont accessibles, tout le monde peut les lire. Et donc, tous les réunionnais doivent lire exactement ce qu'on dit. Ensuite, on a dit... Il y est signalé une défaillance dans la gestion des ressources humaines, avec des emplois et des qualifications qui n'étaient pas adéquates. Mais qui est réel et qui perdure encore. Il y a encore aujourd'hui des problèmes au niveau du SDIS. Pourquoi ? Parce que la cogestion entre l'autorité administrative, l'autorité d'exécution par rapport à la sécurité qui relève du colonel, il y a eu des problèmes de personnes. Aujourd'hui, ces problèmes persistent et personne n'a réussi, quels que soient les préfets. Rappelez-vous d'une phrase, on a dit nous allons nettoyer les écuries d'Augias. C'était le préfet Macioni quand il était arrivé à La Réunion à propos du SDIS. Reprenez cela et vous verrez qu'on n'a pas totalement nettoyé les écuries, qu'il faut encore chambouler. Mais ça n'est pas Nassima Dindar qui a mis des problèmes au SDIS. Le SDIS a une gestion défaillante dans beaucoup de domaines. Elle relève aussi de la problématique entre les hommes et des gens qui n'ont peut-être pas eu le niveau qu'il fallait pour occuper des postes, je pense principalement aux ressources humaines, qui demandaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de technicité et de compétences. Et à propos de la gestion d'antenne parisienne du département, qu'est-ce que... Ah, vous voyez, vous avez... Où est-ce qu'on en est ? On fait le tour, hein, comme ça, voilà. On fait le tour et c'est très bien. L'antenne de Paris... Et je ne le regrette absolument pas. Nous vendons un bâtiment qui appartenait déjà au Conseil Général, à la rue Gautet. C'est la mairie de Paris qui l'achète pour faire son centre d'action communale et sociale. Et nous trouvons en plein centre de Paris, à côté du centre Georges Pompidou, un local moins cher que celui que nous vendons. Nous l'achetons. Et il y a une vitrine extraordinaire et on se dit, on peut créer une boutique. Et pourtant, ça ne marche pas. Voilà. Non, la boutique a marché. La boutique a marché. La Chambre régionale des comptes nous a reproché de n'avoir pas fait un service commercial et d'avoir fait ça en régie, en disant la délibération n'était pas la bonne, etc. Et si je prends... Aujourd'hui, c'est fermé. Si, oui, je regrette que le président du département... qui a été un peu ébranlé hein, par le magistrat qui vient en disant « Vous allez voir ce que nous allons voir, etc. » Eh bien, il va être réouvert, mais il ne sera plus en régie. Il va être donné, il y a un appel à projet qui est lancé pour qu'un privé puisse reprendre. Est-ce que Donc, pas de mea culpa là-dessus, on a fait l'erreur. Non seulement il n'y a aucun mea culpa, mais j'ai eu l'occasion de dire au magistrat, je le dis à l'antenne, j'ai dit, monsieur, je ne vous fais aucunement confiance et je ne crois pas... Tout à l'heure, vous faisiez confiance à la justice. Non, mais là, c'est un magistrat de la Chambre régionale des comptes qui était venu à charge. Pourquoi ? Parce qu'il a pris, il a dit... Comme c'est un organe commercial, le département, la boutique aurait dû payer un loyer. Je prends 3 ans de loyer, je prends le salaire des salariés et je fais le compte de tout ça qu'on met à charge en disant voilà la perte. Mais la boutique n'a jamais perdu de l'argent. Voilà. Donc c'est pour moi, c'est une escroquerie intellectuelle. Et je dis une chose, monsieur le Dantec, l'occasion m'est donnée. Voyez, j'ai des défauts, on ne réussit pas tout, et dans les mandats que nous avons, ou dans, j'ai envie de dire, ce que nous voulons faire à chaque fois que nous sommes des élus, simples élus ou présidents. Mais j'ai fait au mieux que j'ai pu. J'ai laissé un département au mieux de sa forme, avec un endettement par habitant inférieur à ce que j'avais au moment où je suis devenue présidente. J'ai mené à bien des politiques publiques et je pense que j'ai laissé et j'ai géré le département en bonne mère de famille. Qu'il y ait des erreurs, oui, mais je n'ai jamais volé, je n'ai jamais triché et on ne peut pas me faire le procès
telle qu'on l'a lue dans la presse, ni au niveau du glaive, ni au niveau de la boutique du Paris, et encore moins pour le SDIS. Donc c'est pour ça que je suis devant les électeurs à nouveau. Vous voyez, si demain on doit me reprocher quelque chose, j'en rendrai compte, mais pas pour ce que je n'ai pas fait. Nassima Lanard, lors de la dernière commission permanente du département, vous avez appelé les élus à travailler tous ensemble sur un projet pour la Réunion, au-delà des clivages politiques, vous avez expliqué. Vous avez également abordé la question de l'avenir institutionnel de la Réunion. Vous semblez d'accord avec la volonté d'Emmanuel Macron de faire évoluer la Constitution. On sait que c'est compliqué parce que le Sénat est plutôt contre cette évolution. Est-ce que vous, au Sénat, vous voterez les propositions d'Emmanuel Macron pour faire évoluer la Constitution? Et on va évoquer ensuite ce qui nous concerne plus précisément. Dans la réforme constitutionnelle, il y a ce qui relève de la loi organique et ce qui relève de ce qui peut être voté par les parlementaires. Je suis par exemple pour la diminution des nombres de parlementaires, qu'il s'agisse des sénateurs et moins de sénateurs, moins de députés. Je suis pour la différenciation des territoires et c'est sur c'est sur cette base-là que moi je voudrais, c'est mon point de vue, faire évoluer la Réunion. Nous avons 5 communautés d'agglos qui connaissent des difficultés financières pour certaines. Je serais pour qu'on puisse créer 2 grosses métropoles, qu'on puisse garder l'assemblée territoriale avec les compétences de la gestion de l'enfance maltraitée, du social. Et je suis vraiment pour que la clause de compétence générale qui est gardée aux communes aujourd'hui, qui n'existe plus pour les départements et les régions, soit mieux coordonnée sur un petit territoire comme le nôtre. C'est-à-dire c'est mieux coordonner les responsabilités des uns et des autres. Voilà. Exemple, la région Réunion, le département, nous pouvons faire de la culture et du sport et nous nous occupons des collèges et la région des lycées. On pourrait, sur la Réunion, avoir une seule gestion en matière culturelle et sportive pour avoir plus de cohérence, et pareil sur l'éducation avec la construction et la gestion des lycées et des collèges. On va aller au standard dans un instant où on a un auditeur qui a une question pour vous. Mais d'abord, juste sur cette déclaration que vous avez faite au conseil départemental, c'est quoi? C'est une sénatrice qui vient demander au conseil départemental de suivre Macron, ou c'est une future élue locale qui vient vendre son projet? Non, je vous ai dit, nous sommes plusieurs parlementaires avec des tendances, des étiquettes politiques totalement différentes, qui travaillons déjà sur un projet. Ce sont des parlementaires qui disent, le président Macron nous a dit, n'attendez pas que le gouvernement vous propose un modèle pour votre territoire, à vous de nous proposer ce que vous voulez pour votre territoire. Donc c'est une belle occasion pour nous, président de collectivité, parlementaire, élus locaux, une occasion à saisir pour que nous puissions proposer, avec justement des négociations avec le gouvernement, les montants financiers qui vont aller avec, le modèle que nous voulons de développement pour la Réunion dans les prochaines années. Nous avons Bruno avec nous par téléphone. Bonjour Bruno. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je parle pour féliciter Madame Dindard à la région, au département, autant pour moi. Peut-être à la région, mais pour l'instant. Pour son travail qu'elle a fourni. Et je pense qu'elle est la meilleure personne pour partir au combat sur Saint-Denis. De réitérer ce qu'elle a fait au Conseil général. Merci Bruno pour votre réaction. Alors ça ne vaut pas sondage, mais c'est ce genre d'appel que vous attendez pour vous décider? Non, je vous dis sincèrement, c'est une décision collective qu'on prendra avec Ibrahim Dindar. Et je rappelle qu'il est aujourd'hui tête de liste et que je suis sur cette liste avec d'autres colistiers. Et puis c'est vrai que on rencontre des gens, on attend également de rencontrer ceux qui... Vous savez qu'il y a plein de gens qui veulent faire des petites listes
et qui viennent nous voir. Je suppose qu'ils vont voir d'autres têtes de liste également. Donc c'est cet assemblage-là. Il faut trouver le meilleur assemblage possible. Et le meilleur assemblage, je vous dis, ça n'est pas les partis politiques qui assemblent et se rassemblent. Le meilleur assemblage, ce sont des hommes et des femmes qui ont quelque chose à apporter à Saint-Denis et pour faire avancer justement la population dionysienne et le territoire de Saint-Denis. Vous avez tout à l'heure évoqué le mouvement des Gilets jaunes et ce qu'ils ont dit à la classe politique, leur méfiance, leur défiance, de manière assez dure parfois, assez carrée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement d'alimenter cette suspicion vis-à-vis des politiques quand, deux ans après avoir été élu au Sénat, vous dites ah, « ben, finalement, je vais plutôt aller me candidater ailleurs ». J'ai été élue au Sénat et je travaille de la même manière que j'ai travaillé à chaque fois que j'ai été élue à un mandat. Ce mandat de sénateur, j'ai eu une proposition de loi que je porte avec un sénateur socialiste en ce moment. Sur l'amélioration de la protection de l'enfance. Sur l'amélioration de la protection de l'enfance. Donc vous savez que bon, on travaille. De la même manière, nous avons travaillé sur le statut des aidants familiaux et nous avons fait bouger les choses. Puisque mais ça fait que deux ans que vous êtes élu. Oui, votre mandat, ce n'est pas deux ans. Non, mon mandat est un mandat de jusqu'à 2023. C'est un mandat que vous avez parce que vous représentez les collectivités quand vous êtes sénateur. Et donc, mais puisque je ne suis élue que par les grands électeurs. Je suis allée au Sénat et je suis arrivée au Sénat la première semaine. J'ai eu 17 pages de journaux, 32 articles pour m'accuser non seulement mais d'avoir volé, triché, usé et usurpé de mon statut de président du département. Et ça n'a pas été facile. Ma question n'est pas là. D'être une sénatrice qui arrive, de garder toute sa sérénité pour travailler et de rester crédible aux yeux de tous. La question, c'est qu'est-ce qu'on apporte à son territoire ? Qu'est-ce qu'on apporte sur les convictions que nous avons au plus profond de nous, ce que nous pouvons faire. Je serai là où je serai le plus utile et je crois aujourd'hui que localement, je suis encore utile et je serai encore utile. Voilà pourquoi je reviendrai localement, les deux pieds dans les baskets. On a Marie de Saint-Denis pour une question pour vous. On vous écoute, Marie. Bonjour. Oui, en fait, ce serait plus un avis, au fait, à donner, justement. Donc, c'est la candidature de Madame Dindar. Donc, en fait, moi, je pense que... Bon, j'y suis un petit peu ce qu'elle disait, le parcours qu'elle a. Hein. Donc, moi, je trouve que ce serait bien si qu'elle soit à la mairie de Saint-Denis parce que, bon, je trouve qu'elle a fait beaucoup... Elle a beaucoup acté dans tout ce qui est mobilité des jeunes, dans le social. Et elle s'est vraiment investie, au fait, pour notre département. D'ailleurs, depuis qu'elle n'est plus au département, je trouve qu'il y a une petite régression au niveau social, hein, d'accompagnement social et tout. Donc voilà, bon, je pense que c'est une personne vraiment qui œuvre vraiment, qui milite pour les bonnes causes. Donc, merci. Voilà. Merci Marie. Je vous en prie. Merci Marie. Vos soutiens vous appellent. Il y a des soutiens, mais il y a aussi des détracteurs. Donc peut-être que si les détracteurs appellent, ça serait bien aussi. Là. Parce que comme ça, on peut répondre. Bien sûr, il y a toujours des... Voilà. De toute façon, il faut avoir les avis de tout le monde. Hein. Ouais. Merci. Merci Marie. Dans ce que disait Marie, quand même, elle disait, c'est un peu moins bien. Qu'est-ce que vous vous dites? Non, le travail du Cyril Melchior, c'est parfait. Et l'équipe en place actuellement, non, fait mais tout ce qu'il faut. Je veux dire ici aux auditeurs que Cyril Melchior, qui a été le candidat premier vice-président du département, hein, à mes côtés, il est président aujourd'hui et c'est un président qui travaille et qui est véritablement investi. Sincèrement, on avance et on continue à avancer. Quand on dit ça, c'est pas forcément toujours très positif. Quand on dit travail, il est très investi. Non, il est non seulement investi. En termes de résultats, de satisfaction. Et il y a des choses qu'il réussit mieux que moi. Par exemple, je le lui ai dit, je trouve qu'au niveau avec le vice-président Serge Waraud, maire de Petite-Île, il fait un travail énorme dans le milieu agricole
auprès des agriculteurs et sincèrement, c'est du bon travail. Il faut beaucoup de temps pour appréhender le domaine social. On arrive en fin d'émission. Merci, Nassima Dindar, d'avoir c'est été moi, dommage, avec nous dans ce lundi politique. Bien sûr, il y a encore beaucoup de questions à traiter. Vous reviendrez, bien évidemment. Surtout que d'ici un mois, on devrait donc savoir si vous êtes ou non candidate à la mairie de Saint-Denis pour les élections du mois de mars prochain. Mais à vous entendre, on sent que c'est quand même plutôt vers ça que vous vous orientez. Et on devrait savoir ça donc après le sondage. Mais je viendrai vous le dire si cela était le cas. Le rendez-vous est pris. Merci Nassima Dindar d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée sur la première. Merci à vous. La première. Allô. Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Ah, ni xiang xue hanyu, mei wenti, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend.